toi les Jeux du Québec? Qu'est-ce que ça représente? Les Jeux du Québec, c'était vraiment une expérience spéciale pour moi. J'ai vraiment, vraiment adoré ça. En fait, quand j'étais jeune, je cherchais plein de sports pour les faire dans tous les sports. Puis c'est comme ça que je me suis mis à jouer au tennis de table, au ping-pong. Puis c'est comme ça que je me suis mis à faire de l'athlétisme aussi. Donc, parce que j'étais pas assez de patins, je pouvais juste les faire trois fois dans ce temps-là en patin. Puis moi, je voulais les faire plus souvent. Donc, je les mettais en 4 Jeux du Québec, mais il y en a un que j'ai fait des deux blocs, le tennis de table et le patin. Puis c'est toujours des expériences chères. On se crée un lien d'amitié avec les personnes de notre équipe, de notre sport, puis de notre délégation. Puis si j'avais pu continuer à les faire, d'autres années après, quand j'avais plus l'âge, j'aurais continué. J'ai vraiment aimé ça. Là, justement, tu as participé plusieurs fois au jeu. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ces différentes participations-là? Ça m'a apporté beaucoup de choses. Des valeurs comme l'esprit d'équipe, la camaraderie, l'entraide, des amitiés que j'ai encore à ce jour. Puis ça m'a apporté aussi, je veux dire, j'ai vraiment aimé l'ambiance d'une grosse compétition sportive, plus que juste le patin. Puis, ça m'a vraiment fait réaliser que j'aimais le sport, j'aimais ce monde-là, puis c'est ça qui m'a encouragé dans la suite de ma carrière. C'est quand même des moments chers pour moi. Puis là, aujourd'hui, tu compétitionnes au plan international. Est-ce qu'on peut dire que les Jeux du Québec, c'est comparable aux compétitions internationales que tu veux aujourd'hui? C'est différent dans plusieurs facteurs. Je veux dire, on est beaucoup plus jeunes. Évidemment, il n'y aura pas de Coréens ou de Russes qui patinent contre nous aux Jeux du Québec, donc le calibre est peut-être un peu moins fort qu'au niveau mondial, mais on retourne les mêmes stress, les mêmes moments, la même pression avant chaque course. On est plus jeune, il faut apprendre à la gérer. C'est pas parce qu'on a quand on a 10 ans, 12 ans, 15 ans, quand on a 25 ans, on regarde en arrière, on se dit que c'était pas si grave que ça, mais en même temps, quand on a 15 ans, bien, c'est le plus gros moment en carrière, c'est les Jeux du Québec. Donc, il faut apprendre à gérer cette pression-là. Puis, il faut être capable d'avoir du plaisir quand même, puis de se laisser aller, de se laisser performer quand même. Puis, c'est quand même les comparables à ce point de vue-là. Si tu avais un conseil à donner justement aux athlètes qui vont avoir cette pression-là à gérer prochainement, qu'est-ce que ça serait? Ça serait d'avoir du plaisir. Les Jeux du Québec, c'est une expérience plus que juste le sport. C'est un regroupement. T'es avec plein de gens de ton âge qui font d'autres sports. C'est vraiment le fun. Puis de se laisser emporter par la vague de la délégation. Je dirais pas là, je suis toujours une délégation qui encourage beaucoup, bruyante, puis d'une bonne façon. Puis de se laisser transporter par ça, puis de juste avoir du plaisir dans nos épreuves, dans nos courses, dans nos matchs, peu importe notre sport. Puis généralement, ça va mieux quand on fait juste penser à des affaires plaisantes qu'au stress de la compétition en tant que tel. Et à l'inverse, là, on parle de ceux qui ont été choisis, mais il y en a qui ne seront pas choisis, qui vont faire les sélections, qui ne réussiront pas à se qualifier pour les Jeux. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire à ces personnes-là? Bien, c'est pas parce qu'on a un échec à un certain point dans notre vie qu'il faut arrêter ou qu'il faut se décourager. Il faut trouver le moyen de rebondir de cette déception-là pour devenir plus fort. Puis, juste moi, là, c'est un très beau exemple. J'ai raté les Olympiques l'an dernier par vraiment pas beaucoup. Puis, ça m'a extrêmement déçu, c'est sûr. Puis je suis revenu plus fort cette année. Puis, je suis passé du 15e au monde à peu près à je suis deuxième au monde en ce moment aux 500 mètres. Donc, j'ai utilisé cette déception-là pour changer des choses, m'entraîner plus fort. Puis, ça m'a motivé davantage à devenir meilleur. Puis, j'encourage ces athlètes-là à progresser pour le futur, pour s'assurer que ça réarrivera dans le futur. Tu avais dit à un moment donné à un journaliste, il est normal que les athlètes passent pour le fils de leurs parents, mais si je dois toujours être considéré comme le fils de deux Olympiens jusqu'à l'âge de 30 ans, ça pourrait me poser un problème. Qu'en est-il de ça aujourd'hui? Parce que c'est toujours le cas, tu es toujours considéré comme le fils de... Ben, peut-être un peu, mais pas mal moins qu'avant, parce que sous plein d'angles, mes résultats sont rendus meilleurs que ceux de mes parents. Mes parents n'ont jamais gagné de médaille en Coupe du Monde, ni un ni l'autre, puis j'en ai 4 déjà cette saison, donc... Je blaguais un peu, c'était drôle. Je blaguais un peu avec un entraîneur des Pays-Bas qui patinait contre mon père. Puis après ma deuxième médaille, il m'a dit « Là, t'es rendu vraiment meilleur que ton père. » là. Puis je trouvais ça drôle, mais c'est un peu symbolique. Mais j'ai l'impression que je grandis en dehors de ces souliers-là. Puis je me sens plus comme le fils d'eux, mais comme un athlète à 100% de moi. Là, t'sais. Mes parents, c'est sûr que ça va toujours rester dans ma biographie, mais c'est moins important qu'avant, les yeux. Et si tu avais à choisir un moment au Jeux du Québec, ton plus beau souvenir de tes différents passages au jeu, ça serait quoi? Ouf, ça en est une tough, ça en est vraiment une tough. Il y en a tellement. Je dirais mes deuxièmes jeux, ça a été mes plus fun, j'ai trouvé. Mes deuxièmes jeux, j'ai fait le patin... J'ai fait le tennis de table le premier bloc, puis le patin le deuxième bloc. Puis ça a été long, là. Je veux dire, à la fin, j'étais vraiment fatigué, mais c'était vraiment une belle expérience, deux groupes différents. Puis en tennis de table, j'ai eu la chance de faire avec mon frère aussi, qui a fait
Il était trop jeune pour faire le patin à ce moment-là, mais il s'est fait le tennis de table à ces Jeux du Québec-là. Donc, avec mon frère, c'était vraiment une expérience belle. Puis après ça, le patin, mais là, c'était mon vrai sport. En tennis de table, je ne sais pas du tout, je me faisais un peu torcher, mais en patin, j'ai commencé et j'ai gagné 2 médailles d'or ces Jeux-là. Donc, c'était vraiment une belle expérience complète. Puis, ça, c'était 2005, c'était mes Jeux préférés. Justement, là, tu parles de ton frère, il a fait du patin aussi. Lui, c'était la troisième fois, je pense, qu'il était là avec toi au jeu. Oui, en patin, on l'a fait ensemble. Puis, il a commencé quand ton frère est dans l'équipe aussi. C'est spécial, lui aussi. Puis, c'était le fun, encore une fois, parce qu'il a gagné plus de médailles que moi. Puis, il a gagné 3 médailles, moi, j'en avais gagné 2 ces Jeux-là. Puis, j'étais très content pour lui. J'étais plus qu'on. J'avais quasiment envie qu'il fasse mieux que moi. Là. Je veux dire, on patinait pas contre, on n'a pas le même âge, mais c'était son moment de gloire à ce moment-là. Il était un peu moins talentueux, si on veut, puis il a travaillé fort, puis il est arrivé à ces résultats-là avec de l'effort, puis du travail acharné. Puis ça, c'était très valorisant, puis ça donnait des belles leçons à plusieurs personnes, incluant moi. Ça veut dire le travail paye, puis c'était vraiment plaisant de le faire avec mon frère comme ça. Puis dernière chose, pour les prochaines années, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Quels sont tes objectifs là, pour les prochaines années? Ouf, il y en a plusieurs, puis comme d'habitude, mais si je pouvais gagner un titre de champion du monde dans les 2-3 prochaines années, ça comblerait mes attentes. Je gagne maintenant la Coupe du monde, mais un championnat du monde, c'est une paire de manches, c'est plus le niveau est rehaussé un peu. Puis si j'étais capable de percer à ce championnat du monde, ça me ferait vraiment plaisir. Parfait.